Ah, que coucou! Tu m'entends? Oui, 88 et 73 51 ton OM. Il y a un petit sifflement derrière de la modulation. Ok, quand le micro se met à discuter avec le haut-parleur, forcément, ça fait du larcel. Ah, c'est un sillon. Ah, d'accord, bah ça va, t'es à côté, là. Tu vois par où arriver ? Il y a un DBS au top. DBS, quand tu vas, alors, puisque tu es à Castillon, tu prends la direction le Libourne et au Leclerc, quand tu vas arriver sur un rond-point avec le Leclerc dans la diagonale gauche, là tu prends la route à droite. Je t'ai dit, j'ai un Golf Papa Sierra au top. Waouh. Donner ton adresse exacte sur la fréquence, ça va peut-être pas le faire. Hein. Oh, hey, tu sais, hein, là où ça risquerait de pas le faire, c'est une fois rendu à Sainte-Colombe que je te donne exactement l'endroit exact. Ah ouais, que je viens de goûter, c'est excellent. Là, le fait de te dire que au rond-point du Leclerc, quand tu arrives de Castillon, de prendre à droite, je suis encore loin de te donner l'adresse, là. Ouais, bah, encore heureux. Bon alors, prête pour ce long week-end? Ah, je suis trois coups. Bon, en tout cas, tu vois, déjà là, à la minute même, je me pose la question si je dois amener mon PC ou pas, quoi. J'ai pas envie, mais bon, je sais pas. Je me pose la question. Quand je serai dans la voiture tout à l'heure, je me poserai plus la question, ça c'est clair. Ah, ok. Ah bah oui, oh, 59. Oui, bah tout à fait, oui. Tiens, par contre, tu sais, mon serveur perso, là, j'ai dû le stopper, car trop d'attaques dessus, de l'ordre de une toutes les 5-10 secondes. Donc là, pour le coup, j'étais obligé de l'arrêter complètement hier soir. J'ai même débranché le câble de liaison, parce que là, non, c'est stop. Non, il n'est pas en panne. C'est, j'imagine que quelqu'un a dû balancer le lien du serveur sur le dark web, un truc comme ça, et que ben, tous les petits nouveaux dans le hacking et compagnie, ça, sont en train de se défouler, quoi. Et j'ai des milliers d'attaques. Dont dans le lot quand même certaines en attaque en passant par Samba qui aboutissent quand même. Alors je bloque au fur et à mesure et tout ça, mais comme là on va être absent là pendant 4 jours, j'ai pas eu d'autre solution que de l'arrêter complètement. Et ben tous ceux qui voudront voir des fichiers PDF ou les logiciels radio, eh bien ils attendront mardi. Hein. Ouais, mais je te demandais des attaques de quoi ? Tentatives de connexion. Alors quand tu vois quand je vois passer des pseudos avec marqué route, admin et ainsi de suite. Plus de voilà les mecs ils essaient de se loguer, ils essaient de par tous les moyens, ils passent des codes et tout ce qui s'ensuit et tout ça pour essayer de se loguer à tout prix, de se connecter à tout prix.
soit le but, c'est soit pour faire les curieux, pour voir s'il y a quelque chose d'intéressant pour eux, ou par pur défi, car en plus, sur les serveurs perso, comme ça, ils savent très bien qu'ils ne risquent pas grand-chose, puisque il n'y a pas de réaction en retour, ou aussi pour les meilleurs, on va dire, entre guillemets, injecter du code virus dans les logiciels et tout qu'il y a dedans. Donc, j'en ai bloqué une grande quantité, mais bon, je suis très très loin de très très loin du compte. Hein. Ouais, mais de toute façon, en ce moment, c'est tous les jours ces conneries là, qui viennent de Chine, je sais pas où. Oui, voilà. Waouh, là, t'es à côté, là. Là, tu m'es arrivé à plus 30. Oui, affirmatif, hein. Et d'ailleurs, du côté Facebook, là encore tout à l'heure, j'en ai bloqué 5 pour du grand n'importe quoi. Et vu les identifiants, ça arrive encore toujours du même côté. Oui, bah, c'est ça. C'est surtout les forums. Oh, plus 40, ça approche. Tu verras des barrières en bois rendues en bas. C'est le repère avec une boîte aux lettres style cabane à ton lot du lait. Oh, plus 60. Là, t'es rendu, là. 200 mètres. Ah oui, 200 mètres. Ah oui, bah tu m'étonnes. Je m'éloigne un peu du micro, d'ailleurs. Est-ce que là, pour pas que ça te sature les oreilles? Oh, j'ai vu la voiture passer. Voilà, au croisement à droite. Voilà, donc, et aussitôt, tu vas voir les barrières en bois, là, sur ta droite, avec une boîte aux lettres style cabane. Oui, affirmatif. D'ailleurs, je suis en train de te... Alors, attends que je visualise. Ouais, je te vois. Ah ben d'accord, et la marche arrière, elle marche plus sur la voiture. Oui, je t'ai vu repartir. Mais en côte, c'est pas ce qui est plus facile. Tu tournais le volant à gauche, direction le voisin, t'enclenchais la marche arrière, tu tournais le volant de l'autre côté à droite et tu reculais. Ouais, mais il n'est pas encore tout à fait réveillé. Ah, Marc, si c'est comme moi, voilà. Coucou. En haut à gauche, voilà, juste là en haut à gauche. Regarde bien. Voilà, c'est vu. Ça marche, je coupe la station. Je connais le 80 plus et mon RCI, le 2970.
abandonner parce que j'ai deux trois bricoles à l'avance pour faire ma soupe. C'est déjà l'heure du gastro? Ben pas encore, mais dans 10 minutes, ce sera pas pour moi. Ok, bah écoute, je te souhaite une bonne journée, je te repasserai Rémi après, hein, je te souhaite une bonne journée, au plaisir de te réentendre sur la fréquence dans d'aussi bonnes conditions, bien sûr. Sur le 19, c'est pas obligé, hachis pour ça. Et puis, bah, tu as toutes mes amitiés, amitié à ton cœur avec ta permission, bien évidemment. Voilà, je te repasse Rémi pour le final. Ciao, ciao, à bientôt. C'était cofolie. Ok, les 73-51, voilà, retourné de d'Andy 33. Les 73-51 également aux stations que j'entends derrière, en QRP, voilà, je suis en plein là sur la. Alors c'est quoi, ça doit être un National 10, je pense. Oui, oui. Oui, je suis sur un National 10, là, en train de remonter vers le département 37. Ouais, j'entends du monde en même temps derrière. Ok, ben bon gastro, vu l'heure pour tout à l'heure. Et ben je te dis à la prochaine et certainement au retour. Merci à vous, écoute, je passe une très bonne journée à tous et à tous. Profitez-en un petit peu, si vous voyagez un petit peu, bon gastro, pour tout à l'heure, peut-être le resto. Et puis vous avez bien raison d'en profiter. Merci du petit coucou, ça fera toujours plaisir pour le prochain coup. Ça marche, ah oui, tu m'étonnes que ça fait plaisir. Les 73-51 retournés, bon gastro, à plus. Excusez les stations qui étaient derrière, mais bon, on ne s'était pas entendu. Alors on a monopolisé un peu le 19. Non, c'est pas grave, bon gastro à tous, moi je passais à 28 heures. Surtout qu'il ne faut pas oublier que le but est que sur le 19, tout le monde reste en écoute. Mais quand tout le monde reste en écoute, ça fait beaucoup moins de bavards. Et après, qu'est-ce qui est répété sur les réseaux sociaux? Il n'y a personne sur le 19. Ben oui, parce qu'ils sont tous restés en écoute. Là, tu vois, on prend le micro, on fait réagir, et du coup, ça prend également le micro derrière, ça suit. Donc là, le but est atteint. Donc là, on n'a dérangé personne, puisque au contraire, ça a permis aux autres stations de prendre également le micro à leur tour. Allez, merci. Hachi, les 73-51 retournés à plus. Bonne route à tous au prochain coup. Allez, vous aussi, je vais faire un coup. Ok, ça marche. Ça marche après, c'est quoi ? Oui, le Roger Bip, 73-51, envoyé de Dundee 33 sur la National 10 dans le sens sud-nord. Ok, bon, ben le Roger Bip, il fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Encore intimide? Attention les stations en fréquence du côté de la Touraine pour Dundee 33 qui lance appel. Bon d'accord, 11h58, c'est l'heure de l'apéro, j'ai compris où vous êtes pour ne pas répondre. Attention les stations fréquence pour Dundee 33 qui lance appel sur le grand ruban la National 10 en direction dans le sens sud-nord en direction de Tours. Enfin de la Touraine. Adrélois. Hop, c'est passé très QRP, les 73-51 à la station. Tant pis, c'était court, ce fut bon. Mais bonne route de ton côté si tu es sur la route. J'ai pas bien compris le prénom. Alors pour moi, c'est Rémi. Voilà, Rémi QRZ de Dundee 33. Ok, le Rémi, c'est l'opérateur en charge du département. Jean-Charles, si j'ai bien compris, t'as pas l'air d'être tout à côté. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de propague là sur le coup là qui nous donne la main là. Zut, je suis dans quel département là?
Ouais, département des Charentes. Je suis Charente, Nord Charente. Hein? Ah oui, c'est vrai. Ah, je suis au nord d'Angoulême. Bon, ça passe plus. Si toi tu m'entends encore, les 73-51 toi, bon gastro solide pour tout à l'heure. Et je te dis à la prochaine. Affirmatif, là c'est passé. Les 73 vont tourner, mais très QRP. CQE DX, appel de 14 kilomacs, 33-01, opérateur Rémi, sur la fréquence moniteur des kilomacs, depuis en mobile, depuis le département 16. CQE DX, appel de 14 kilomacs, 33-01, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile sur la fréquence moniteur des kilomacs depuis le département 16, sur la nationale 10. Ouais, les 73 EQRM là qui viennent de passer. J'ai entendu quelqu'un très QRP, les 73-51 la station, 14 km, 33-01 Rémi, Dandy 33 en mobile sur le département 16, sur la A10, sur la nationale 10, pardon. C'est trop petit, trop inaudible. Ouais, j'ai compris. J'ai été sûr, j'étais en train de gêner tout le monde. Ils sont là. Sur les 32. Là on est sur le 555. Ah, c'est plus calme que sur le 19. Ah oui. Et je vois au niveau propag, la propag en ce moment est plus du côté des 40 canaux que des super. Ouais. Et autrement, oui, les intempéries là, chez Gilles, tu vois, de ce côté, là, du côté de Montréal, la vache, t'as vu là dans son bouche, hein. Oui, il nous montre ça, waouh. Nous ici, c'est bon, pays paralysé. Hein. Ah oui. Ouais. Bah que lui ils sortent tous. Quoi que il a plus de courant chez lui là. Ouais. Well, 15, c'est divisé en 115. J'ai pas ma liste. Hein. C'est ballot. Allez sur le forum. Bon, je vais retourner sur 19.
de jeux vidéo à ce moment-là. Là. Non mais là, là où j'étais... Non, je vais pas trop loin, j'ai vidéo. Ah non, on avait pas la bagarre système, on fait pas vidéo. Ah si... Ah, ils sont passés là, sur les 4. Oui, j'ai entendu Brésil. Allô, bonjour. Là, il est peut-être en train d'appeler le Brésil. Imagine que là, il doit être sur la route, là-bas, qu'il s'y retrouve. Imagine que sur son véhicule, il est directive. Et il y a des radios amateurs, on connaît un radio amateur, un vieux justement, il a au moins, je sais plus, une ou deux directives sur le toit de son véhicule. Hein. Directive UHF. J'avais fait une vidéo sur lui, justement, il m'avait demandé de venir le voir à son véhicule et il m'avait fait une démonstration de tout ça pour que ce soit dans la vidéo pour montrer. Quoi. Il y a du matériel partout, partout sur le tableau de bord, sur le siège à côté, antenne directive sur le toit et roule comme ça. Oui, mais c'est le mec, c'est l'aventurier des ondes. Et voilà, il y a ce côté aventurier qui est là, qui est magique. Attention, les stations fréquences pour Dundee 33 qui lance l'appel à mobile. Depuis la Nationale 10, les deux Sèvres sud. Eh bien, j'entends plus rien. Et l'autre, là, qui fait le forcing. Hein. Ça sert à rien. Là. Allez, vas-y, vas-y. Ah, ben... Et 1000 pattes, je sais pas si t'es en fréquence. Et je t'ai fait des appels de phare pour passer justement, pour ne pas casser ton élan. Non, c'est pas grave. Bon, les Ranger Bill derrière, les 73-51 à vous. Oh, sa moustache. Qui est devant et 73-51 de Dundee, je suis juste derrière. Je vois un truc sur le rétro, alors je sais pas. Ou un porte-drapeau, et là je les raconte. C'est un porte-drapeau, mais il n'y a pas. Attention, les stations des Deux-Sèvres pour Dundee 33 qui lance appel en mobile depuis la Nationale 10 dans le sens sud-nord. Bon, et ben on va en profiter pour admirer les éoliennes. C'est toujours ça de pris. Ouais, le micro Roger Bill que j'ai entendu derrière, les 73-51 de Dundee 33. Soyez sûr, oui.
on est sur l'autoroute en direction du département 37. J'ai tout compris. La D7, autoroute A7. Non, la A7, elle fait Paris à la Côte d'Azur, je crois. En parallèle de la National 7. Personne à droite, personne à gauche, je peux y aller? Ouais. Ok, j'essaie d'y aller alors. Dans le buisson, hein. Ah, si, hein. Bah, c'est un peu chaud. Ah oui. Ah si. Un vrai de vrai. Ah, puis on paye. Ah, il a mis calcul des nouveaux itinéraires. Hein? C'était peut-être en face qu'il fallait prendre. Bah, j'ai vu le virage à droite. Alors bon, vas-y, c'est bon, alors. Ah ben, ça y est, maintenant. Eh, tiens, puis là, j'ai entendu de la Réunion. Bon, il y a un bout de route, hein, avant d'arriver à la Réunion. J'entends bien, je crois que je vais y aller. Hein. D'échange de QSL parce que bon, son pays est assez particulier. C'est comme
on en a quelqu'un, il paraît, qui a fait le Japon. Alors là aussi, hein. C'est pas des choses de QSL parce que là-bas c'est interdit. Comme la Russie, en fait. Ah. Normalement, ils ont même pas le droit de faire ça. Ah bon? Non. Ils sont en guerre. Les pays en guerre n'ont pas le droit de faire ça. Sur les radioamateurs et encore sur toute réserve et en étant surveillés très étroitement surveillés, donc censurés. Pourtant, ça se prive pas. Hein. Oui, je suis d'accord. Et puis, tu parles, c'est pas grave. Et puis, je suis. Oui. Tu m'étonnes. C'était un espagnol qui parlait au ralenti comme ça. Alors, Hélène, elle en face. Alors, à droite, c'est vous ? Non, il y avait un véhicule. Non. Oh, il y avait largement. On ne sait jamais. Oh ! Mais largement quoi ? Oui, bien sûr. Au moins, un minimum. Oh, je dirais même 10. Allez, allez. J'ai failli caler avec une connerie, moi. Vernon. Mais tu vois, si on était lui, ce conducteur, je me serais fait engueuler. Ouais, t'as fermé le temps passé, tu fais chier, merde alors. Quel temps Alors. Ouais, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Bon, on n'apprend pas que c'est calmé. Ouais, c'est pas trop calmé. Ouais. Tu sais, pour m'aider à tourner, j'ai mis le pilotant. Ça a été plus pratique.
justement, jusqu'à où il y a l'assemblée, il y a 6 km. C'est pas loin, hein. Ouais, c'est pas loin. Hein. Oh, c'est que dalle. Italien.
attention au poids avec un cuir pépé aussi. D'accord. Non, parce qu'il y a un cuir pépé, on a l'impression qu'il a une voix d'YL. Et je vois Gilles, notre bravo Charlie 555, a eu l'occasion justement de discuter avec. Et disons. Peut-être. Tu ne confonds pas avec quelqu'un du Brésil ? Parce que le cuir pépé en question est au Brésil. Hein. Ah, pardon, je crois que tu parlais du cuir pépé. Non. Donc, tu avais eu passé par là. Ah ben, là où ils se mettent, il y a forcément un bar en face. Voilà, il y a forcément un bar en face. Voilà, c'est plus simple comme ça. Roche posée. Waouh, à droite. Il doit bien avoir un chiffre sur le... Oui. Je vais prendre le courant. Alors, à gauche, c'est à 160. Eh bien, tiens, regarde. Ah ben voilà. C'est Alexandre, voilà. Accueil d'abord. Non, l'accueil est là. Eh bien, je vais marquer aussi d'abord. C'est pas nous, ça. Résidence de terre. Non, je ne peux pas dire. Mais je sais pas comment, mais aussi, il y en a. Nous, c'est Terre de France. Eh bien, voilà, c'est bon, ça. Eh bien, nous vous l'avons rendu. Merci pour la balade. À plus tard. C'est ça.